Le natif de Dolisie, de nationalité franco-congolaise, Chris Busuku, double champion du monde de la boxe thaïlandaise, moins de 68 kilos en 2015 et moins de 72 kilos en 2016, champion de Swiss Muay Thai League, a présenté ses ceintures au ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngolondele. Cette réception a permis au natif de Dolisie d'exposer sur son projet de développement de la jeunesse à travers la pratique de la boxe thaï, qui est axée sur trois axes: la promotion, l'organisation du championnat mondial au Congo et la mise en place d'une fédération WBC. Le patron du département des sports, à son tour, a félicité et encouragé ce jeune de 28 ans pour sa carrière fulgurante qui fait de lui un ambassadeur de la discipline Muay Thai au Congo. C'est un plaisir de vous voir ramener ces ceintures qui auraient pu aller ailleurs. Vous n'avez rien de spécial que la volonté que vous avez eue à mettre pour arriver là. Donc ces mêmes jeunes peuvent aussi suivre l'exemple de ce jeune Congolais né à Dolisie, grandi à Pointe-Noire et à l'âge de 11 ans. Il s'est envolé pour l'Europe et voilà ce que ça a donné. Et on peut faire la même chose ici. Au sortir de cette réception, Chris Busuku est très ému d'être honoré par sa nation. Ça me fait super plaisir et ça montre que le gouvernement congolais est derrière ses sportifs et n'attend que ça. J'aimerais être une source de motivation pour la jeunesse congolaise et leur montrer qu'en partant de rien, avec une motivation et un but précis, on peut y arriver. Accompagné de Lambert Samba Banza, manager général, de Jean-Jacques Ndomba, dit le géomètre, et son staff, le Franco-Congolais vise participer avec le Congo aux 33e Jeux Olympiques de Paris en 2024, où la boxe thaïlandaise est retenue parmi les sports olympiques.